Ma carrière à acheter des bâtiments. Et je me suis intéressé plus dans le domaine d'automobile après que dans le domaine de construction. Ce qui a amené à l'achat de centres de recyclage. Fait que j'ai acheté en 1982 un centre de recyclage à Saint-Bruno et j'étais aussi partenaire dans un autre centre de recyclage à Saint-Jean. Et de là est venu l'événement le début de Spectra Premium. On a décidé en 1987 de former une compagnie qui s'appelait Multi Réservoir. Et la compagnie a bien fait. Mais le problème qu'on avait dans cette compagnie-là, c'est qu'on manquait de réservoirs pour les rebuilder, les mettre en neuf. C'est de là qu'on est venu avec l'idée. Il y avait déjà une compagnie qui s'appelait AAA. Qui était situé à Nouvelle-Écosse. Et on était le plus gros client de cette compagnie-là. Et finalement, j'ai acheté la compagnie à Nouvelle-Écosse. On a déménagé la compagnie à Boucherville, sur Place Trans-Canada. Tout l'équipement et tout et tout. Et on a commencé à améliorer le produit, faire un produit vraiment de haut niveau. Et puis, en 1993, il y avait une autre compagnie qui s'appelait Premium. On a fusionné les deux compagnies. Et après, j'ai racheté les autres partenaires dans cette compagnie-là. C'est pour ça que la compagnie aujourd'hui est devenue Spectra Premium. Et la philosophie de la compagnie dans ces années-là, on était en expansion, c'était de produire un produit de haute qualité. Ce qui a fait la renommée de Spectra. Et après ça, on a continué à développer le marché sous toutes les façons. Je me suis associé avec des gens très compétents. Okay? Denis Charest, c'est juste Denis Charest, je ne suis pas un surhomme. Mais j'ai été chercher des gens très compétents et j'ai fusionné d'autres entreprises qui étaient un peu dans le même domaine, mais qui étaient dans un niveau inférieur, mal équipé et tout. Puis effectivement, on a fait une série d'acquisitions en 98, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça a été fait. Denis a réussi à joindre dans une même pièce 4-5 compétiteurs là, qui contrôlaient l'industrie du radiateur dans l'Est du Canada, en leur disant « on est intéressé à vous acheter, à consolider l'industrie du radiateur au Canada ». Le résultat de ça, bien, 4 mois plus tard, dans un week-end, lors d'un show à Reno, au Nevada, on a conclu 3 ententes de principe avec ces différentes compagnies-là pour mener à toute la consolidation qu'on a faite par la suite là, au cours des années 98, 99, 2000. Fait que ça, c'était du Denis Charest tout craché. Là. C'était pas une méthode conventionnelle de faire des transactions. Denis m'a permis de voir une compagnie partir de zéro et se rendre jusqu'à plus de 300 millions de chiffre d'affaires, 1200 employés, 3 émissions publiques, 15 acquisitions. Et finalement, en 2007, lors de la privatisation, Denis m'a permis de devenir actionnaire de Spectra. Ça a été tout un impact sur ma carrière, principalement les 25 dernières années. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. On vendait des réservoirs d'essence. On avait ce qu'on appelle le stamping. On a très belle technologie. On a aussi fait les pannes à l'huile. Et ça, c'était un bon ajout dans la gamme de produits. Après ça, on a commencé dans le radiateur. C'était 3 produits de base qui allaient ensemble et aussi qu'on avait la technologie et l'équipement pour faire, soit les tanks en brasse. Fait qu'on avait tout le noir, tu sais, c'était un produit assez facile pour nous. Denis, je pense que c'est un gars qui a un flair extraordinaire pour les affaires. Il y a des études de marché, Denis a oublié ça.
C'est un gars qui va avec son flair dans ses décisions. Si au fil des années, il avait écouté tous les différents conseillers qu'il y a eu autour de lui, que ce soit des financiers, des banquiers, il n'aurait jamais réalisé là, tous les démarrages d'entreprise qu'il a fait et réussi à avoir la croissance qu'il y a aujourd'hui. Bon, à 80, on a été public en 1997 et après, je me suis entouré de gens aujourd'hui, de Jacques Monblot, qui était un type super, plus comptable initialement, mais qui servirait en CEO aujourd'hui. Là. Et aussi, on a formé une équipe avec Carrie Bess, Denis Poirier. Ces gens-là, on avait vraiment un noyau de gens. Et quand on était public aussi, il y avait des gars comme Marcel Dion, il y avait Brian Jones. On avait des gens qui... On avait le pouls un peu d'industrie. Dans les années 2002-2003, Denis Charest, à l'intérieur de Spectra, avait sa place, mais c'était plus... La compagnie était plus rendue une gérance à l'intérieur de la compagnie, comme, disons, gérer les inventaires était très important. Donc, fait que c'était pas mon créneau qui était le plus fort, et disons que il était temps que je laisse ma place à quelqu'un de, dirais, plus de compétent dans le domaine. Le lien que j'ai avec Denis, d'abord, on est associé dans une compagnie d'aviation qui s'appelle Pascan Aviation. Puis j'ai connu Denis quand j'étais chez Spectra. Il y avait un avion chez Spectra pour les besoins de la compagnie, puis j'opérais le même type d'avion. Donc, chez Pascan, on avait pris un peu comme la gestion de l'avion, fournir les pilotes et ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Puis éventuellement, Denis s'est associé avec moi dans Pascan, puis on est ensemble liés comme des siamois là, depuis 2003. Lorsque Denis a vendu Spectra en 2007, je me serais attendu que Denis se serait reposé un peu. Mais non, il ne s'est pas reposé. Il s'est impliqué dans Pascan Aviation, qui est parti de presque rien et qui est rendu aujourd'hui à plus de 300 employés, 80 pilotes, 26 avions. Il a construit un hôtel à Brossard de 130 chambres et il construit des condos à Saint-Kitts. Denis est un être passionné, un entrepreneur dans l'âme. C'est un gars qui t'arrive avec une idée, puis ça a l'air trop grandiose, on se dit... C'est excentrique. Puis la première chose que tu sais, le projet marche, puis c'est un succès. C'est Denis, ça. C'est un gars passionné. C'est un gars qui est mort dans la vie et qui fonce. Il fonce à 100 000 à l'heure. Moi, je dirais que Denis, c'est un homme généreux. Quelqu'un qui sait reconnaître les efforts des employés ou des gens qui l'entourent puis donner un retour. Une anecdote pour démontrer la grande générosité de Denis Charest. Je me souviens très bien, en 1998, lors de la crise du verglas, Denis a acheté plusieurs centaines de génératrices qu'il a fournies aux employés de Spectra pour que celui-ci puisse avoir du courant. Et il a également fait venir plusieurs trailers de bois de chauffage qu'il a donné aux gens de Boucherville pour qu'ils puissent chauffer leur foyer pendant cette période-là. Passion. Je pense que j'aime travailler. J'aime travailler, j'aime m'amuser. J'étais un gars, j'aime la chasse, j'aime la pêche, j'aime le bateau, j'aime le skidoo, l'avion, j'aime l'hélicoptère. J'aime. Faut que ça bouge. Je dis souvent, Denis, c'est Denis, il y en a juste un comme ça. Mais Denis, dans les affaires, Denis, c'est un gars qui a une bonne tête, compte vite. Il sait compter d'ailleurs. Et puis. C'est un gars de décision. Denis, c'est un gars qui aime la vie. Puis c'est un gars aussi qui est très positif, même dans les moments les plus durs. On a vécu plusieurs choses ensemble. C'était pas trop facile. Denis restait toujours positif. L'adage « What you see, what you get », là, Denis Charest, ça c'est vraiment lui. Je pense que la retraite, c'est un mot qui devrait pas exister dans le dictionnaire. C'est un attrape, ça, la retraite. C'est comme si on attachait un bâton avec une carotte, puis juste assez loin. Quand on court, elle vient là, tu peux la sentir, puis tu continues à courir. Tu penses qu'un jour tu vas l'attraper. Disons que la retraite, c'est faire ce qu'on aime quand on
on n'arrêtera pas un castor de faire des dames. C'est un rigoureux. C'est ce que je trouve, moi. Qui s'entoure de bonnes personnes aussi. Toutes les entreprises que Denis a parties, il y a quelqu'un qui lui a dit un jour, « Lance-toi pas là-dedans, c'est trop risqué, ça marchera pas. » Denis les a tous partis, il les a pas écoutés. Alors, le message de Denis, c'est « Allez au bout de vos rêves et arrêtez-vous pas au premier nom qu'on vous dit. » Un message positif, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible, il faut foncer dans la vie, il faut aller au bout de ses ambitions. Faut réaliser nos rêves. Moi, j'ai toujours dit, si à un moment donné, il se passe de quoi sur la Lune, mais le premier qui va aller vendre du gazon sur la Lune, ça va être Denis Charest. Denis, il n'y a rien d'impossible pour lui. Dans l'industrie, si vous avez une idée, c'est de la pousser, votre idée, de la regarder, de la tourner, puis essayer de faire de quoi avec, si vous êtes un entrepreneur. Il n'y a pas d'idées qui sont folles. Je pense que il y a de la place pour des gens, des créateurs, des développeurs. La vie va continuer à se développer. Il s'agit juste de regarder et savoir de quelle façon on peut soit développer ou améliorer un produit.